Écoute ma voix, dit l'Éternel, car ma parole est certaine, elle s'accomplira, n'aie aucun doute, je bénis les armées. Semé avec larmes, je bénis les amis, semé avec larmes. S'éloigner du but, on peut vivre loin. Dieu est toujours aux côtés de ceux qui le cherchent. Et même avec les rebelles, ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté, la providence de Dieu pour là. Vous ne vous soumettez à personne, vous ne vous soumettez à rien.
que Élie pouvait disparaître. Alors, nous ne savons pas à quel don, nous ne savons pas comment il est arrivé là. Ils auront certainement des problèmes. L'Esprit de Dieu l'a transporté dans ce lieu pour résoudre un problème difficile. Pendant 7 jours, pas de solution. Ils ont marché, erré un peu partout. Et maintenant, ils demandent, est-ce qu'il n'y a pas un homme avec qui nous pouvons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi, il a dit, l'officier du roi d'Israël, répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sous les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Répétez. Dieu, que vous ne lisez pas sa parole, vous n'écoutez
Thank you.
pour but de boucher. Le lendemain, très tôt le matin, avant l'offrande du matin, on voit l'eau qui vient vers Édom, sous le chemin d'Édom. D'où est sortie l'eau? L'eau est sortie là où Oh,
tiens ceci. La vie sort là où la parole est prêchée. Alléluia. Remplissez et donne de la parole. Creusez les fosses, je vous dis, de la part du Seigneur. Creusez les fosses, parce qu'il s'est emballé à payer pour la vie. Avant, est-ce que la parole de à aucune autorité depuis au feu Boyen jusqu'à présent à la santé.